Alors, pour réaliser un sorbet à la fraise, c'est pas compliqué. Un sorbet, pas une glace, hein. Il nous faut deux ingrédients, du coulis de fraise et du sirop. La préparation pour ces deux produits figurera sous la forme de capture d'écran à la fin de la vidéo. Mais c'est rien du tout. Alors, je prends à quantité égale, hein, pareil, 3 décilitres de 3 décilitres de coulis de fruits non sucrés. Parce que je le sucre maintenant avec le sirop. Et je prends 3 décilitres de sirop. Voilà. 50-50. Voilà, le sorbet terminé. On va pouvoir le débarrasser. Au fin. Bon. Alors, une précision. Dans la glace, glace, sorbet, plus on met de sucre, plus elle est onctueuse. Et vice versa. Et donc là, j'ai mis, on a vu 50-50. Et on peut très bien descendre encore en sucre, si on ne veut pas trop sucrer. On peut descendre jusqu'à la moitié, c'est-à-dire que j'avais 3 décilitres, 30 centilitres de coulis, je peux descendre à 15 centilitres de sucre. Ça sera forcément moins sucré. On peut aller par palier après à 20, 25, faire des tests et goûter. Voilà. Je vous laisse le libre arbitre. Mais là, on est à 50-50 et c'est très bon. C'est vraiment très bon. Voilà les amis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette de sorbet ou de glace ou de cuisine ou de pâtisserie. Et je vous souhaite un bon appétit à tous.